Toute la passion pour la moto, motocross, elle remonte à tout petit. J'ai une photo dans mon bureau chez moi. J'étais à la couche, je dois avoir 6 mois. Je tiens les guidons de mon père entre ses bras. On habitait sur une terre, on habitait à la campagne. J'ai toujours été là, en BMX, en moto, dans le champ, dans le sable, dans le gazon. Non, jamais. J'ai jamais pensé me rendre loin comme ça. Ça a pris des années. Autrement dit, je me suis rendu compte quand j'avais vraiment les deux pieds dans la compétition. Malheureusement ou heureusement, ça n'a pas été un rêve de jeunesse. Comme des fois, tu parles à des petits bouts de chou de 5 ans qui jouent au hockey, qui rêvent déjà de jouer dans le Canadien. Moi, ça n'a pas été ça pour moi. Ça s'est développé tout au long de ma carrière. Ma passion était de faire de la moto. Et ensuite, j'ai découvert les courses. Et puis, j'ai commencé à gagner. Puis là, j'ai découvert une autre passion. Jean-Sébastien Roy s'amène en première position. Le dossard numéro 5, tout en jaune. Gibson... Mais la passion... Du début, quand j'avais 6 mois sur les poignets à mon père, c'était de faire de la moto sur 2 roues, faire des sauts et tout. Fait que... Bien, je pense comme tout athlète professionnel, tu embarques dans ton sport que tu es là au début pour... parce que c'est une passion. Plus tard dans le sport, veux pas, tu frappes des murs que ça te tente plus d'en faire. L'entraînement vient difficile, les voyagements. Mais la passion revient toujours. C'est ça qui te fait aller de l'avant et qui te fait démarquer des autres.